Hello, donc voilà, nous sommes vendredi, ça va être le week-end ce soir. Et du coup voilà, là je pars en stage, je commence à 7h30, je suis pas forcément partie très très en avance, enfin ça va quoi, il fait toujours un temps pourri, il pleut. Et j'ai mis les rouges à lèvres liquides mat de Nocibé. J'aurais peut-être pas dû mettre ma veste rouge parce que ça fait peut-être bizarre, je sais pas, bref. Mais du coup je vais tester en tout cas. Il est mat, est-il sans transfert? Pas tout à fait sans transfert, hein. Après je viens de le mettre donc faut sûrement attendre que ça sèche un petit peu. Et sinon bah voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire de plus. Qu'est-ce que je veux dire? Bah c'est tout, hein. Voilà. J'ai mis une marinière, mais en fait j'en ai plein des marinières parce qu'en fait ce que enfin chiant. C'est bien parce qu'on met pas de. Enfin, j'ai pas mes blouses à mettre pour le stage. Mais du coup je dois mettre des t-shirts à manches courtes et enfin, j'ai pas trop de t-shirts assez simples. Enfin je vais pas mettre un t-shirt de débardeur de soirée, voilà quoi. Et il fait pas hyper chaud, alors trouver un manche courte mais pas non plus débardeur parce que moi j'aime bien quand j'en ai un peu sur les épaules sinon j'ai froid. Du coup c'est compliqué, hein. Et j'en ai pas tant que ça finalement. Enfin j'en ai plein, genre t-shirt blanc de rade avec écrit un texte quoi. Mais mettre ça tous les jours. Bon les filles, est-ce que vous connaissez le souci de quand tu te mouches et que ton mouchoir essuie le dessus de tes lèvres? On voit pas trop mais du coup va falloir que je me remette un peu de rouge à lèvres parce que mon mouchoir il a tout essuyé. Du coup des fois je crois que je saigne du nez mais en fait c'est juste du rouge à lèvres sur le mouchoir. Voilà, c'était une remarque très très intéressante. Hello, donc voilà, journée terminée, je suis en week-end. Et donc là je vais à la salle de sport, donc je mange là-bas et tout, comme le secours, et puis ensuite j'irai chez mon copain, voilà. Mes cheveux ils font vraiment n'importe quoi, de toute façon je les laverai à la salle de sport donc c'est pas très très grave. Et voilà, j'ai vraiment super faim parce que ce matin j'avais pas trop le temps, du coup j'ai mangé à peine des céréales et moi les céréales, genre juste des petites céréales au chocolat, ça me tient pas du tout au ventre. Voilà, bref, on s'en bat les steaks, voilà. Mais du coup voilà, c'est ça, je vais à la salle de sport, je vous retrouverai là-bas du coup. Bon, je suis trop contente parce qu'en fait j'arrive dans le parking à chaque fois que je vous ai... Enfin je vous ai déjà dit que compliqué pour se garer. Et j'ai vu au loin une place et l'autre il a pas tourné direct à l'allée où je suis allée. Mais à l'allée d'après j'étais trop contente, sinon il aurait piqué ma place. Voilà, c'est parti. Bon voilà, mon assiette chauffe. Bon j'allais partir en cacahuète. Hein. Bon bah voilà, sport terminé, je retourne dans la voiture. Par contre j'ai perdu mon cadenas déjà la dernière fois, je savais pas ce que j'en voulais faire. Mais de toute façon faut que j'en achète un à code parce que la clé c'est très chiant. Bon voilà, je vais donc chez mon copain. Oh non, il y a des bouchons. Ouais c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il y a... Par contre je suis en train de mourir de chaud, mais vraiment j'ouvre la fenêtre et tout parce que... Après le sport, voilà. Bon, je sais pas ce que j'ai fait à mes cheveux là, c'est n'importe quoi. Mais bon voilà, donc je vous laisse et je vais retrouver plus tard. Bisous. Hello, bon voilà, je suis rentrée chez moi. Je vais manger et je pense que je vais vous laisser. Je ferai la suite dans le vlog de demain parce que j'ai décollé et tout. Mais je vais pas être ce soir, je suis crevée. Du coup, j'ai regardé Plus belle la vie en avance et en plus, il y a un prime. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à demain.